On est devant le parc des expositions de Metz pour le salon du chocolat. À cette occasion, il y a pas mal de monde et on va aller leur demander pourquoi ils sont venus ici. Maman, c'est un rituel qu'on a tous les ans de venir passer ensemble une petite journée toutes les deux. Maintenant on aime bien, on apprécie, les exposants sont sympas, surtout ici au chocolat. C'est déjà pour voir un peu qu'est-ce qu'on est capable d'imaginer en créant, c'est un peu les mains, c'est l'imagination, hein. C'est quelque chose d'extraordinaire. Dans les différentes matières, parce qu'on passe du chocolat aux épices, je vais faire un immense tour qui va durer 4 heures. D'accord. Rien que pour m'en mettre plein, tellement on est bien. C'est juste pour le plaisir des yeux. D'accord, très bien. Et vous allez assister au défilé tout à l'heure ? Ah, je sais même pas qu'il y a un défilé. Alors il y a un défilé avec des robes faites en chocolat. Ah ouais ? Ah bah ouais, pourquoi pas ? Vous avez déjà vu des robes en chocolat comme ça ? Ah non, j'ai entendu parler d'une robe en viande, c'est ça ? Ouais. Non, c'était Lady Gaga qui avait fait ça. Ouais, ça doit être dans le même genre. Alors là, c'est bientôt l'heure du défilé, donc on va aller voir ce que ça donne et ensuite on demandera aux gens ce qu'ils en ont passé. On y va. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce défilé en chocolat ? Alors, de belles créations. C'est vrai qu'il y a eu quelques petits ajustements à faire parce qu'elles n'ont pas l'habitude de défiler. Je pense qu'à 15h, ça sera bien rodé et on va avoir un très très beau défilé. J'ai été la première à défiler, donc j'ai défilé en flamenco. Après j'ai changé de robe et en guerrier. C'était pas trop compliqué de porter une robe en chocolat, enfin, comment ça se passe? Bah ça fond un peu, c'est pour ça que je suis pas trop restée. Ça fond un peu et puis non ça va. Alors c'est tout pour le salon du chocolat, on retiendra beaucoup de gourmandises de la part des visiteurs. Nous on vous laisse, on a quelques chocolats à les goûter.